effects on the beat. Basketball black party, basketball black party. I guess so. Then we had this shit for a long time, didn't we? Kick. I guess so. Then we had this shit for a long time, didn't we? Kick. Hey, I'm gonna feel my vibe right now, feel myself. Panda. Panda. Kick. Mon mollet va de mieux en mieux, on va dire. Ma blessure est arrivée pendant le match 2 contre l'ASVEL. Après avoir pris un rebond, j'ai dû démarrer et là j'ai senti comme un coup de couteau dans le mollet et je sentais que je pouvais plus avancer quoi. 3 semaines à peu près avant, j'avais déjà une douleur au mollet. Je pense que j'ai dû compenser et ce qui a fait que ma jambe, voilà, elle a pas tenu. Là, j'ai jamais arrêté aussi longtemps. C'est ma première blessure. Et c'est dur et frustrant quoi de pas pouvoir s'entraîner, de pas pouvoir participer, de voir son équipe jouer. De ne pas pouvoir être présent, de ne pas pouvoir les aider. Mais voilà, ça me motive encore plus. Et une fois que j'aurai le feu vert des médecins, vous pouvez être sûr que je reviendrai plus fort. Ça a été une saison vraiment fantastique. Personne ne nous attendait à un tel niveau. Voilà, on a réussi à construire quelque chose à Monaco. On ne tire que de magnifiques souvenirs. On a déjà, bien sûr, la Leaders Cup. C'est quand même le premier titre en proie du club. Je pense qu'on a encore un très bel avenir devant nous. Parce que ce qu'on a fait là, c'est en une saison, une nouvelle équipe avec des joueurs qui ne se connaissaient pas. On a réussi à développer des automatismes en très peu de temps. Et voilà, je pense qu'avec quelques années en plus, on sera... On peut être que meilleur et ça présage que du bon quoi pour l'avenir. Non, on a eu beaucoup de... Alors, on rigolait beaucoup entre nous. Les déplacements, on ramenait nos Nintendo pour jouer à Mario Kart. Bon, voilà, on était un peu comme des enfants tous ensemble et c'était vraiment une superbe ambiance. Cyril était le boss de Mario Kart, ça c'est vrai. Après, bon, il y avait Sergei qui se détachait, mais voilà, je pense avoir détrôné Cyril cette année. C'est dur à dire, mais je pense qu'on avait, au complet, on aurait pu avoir nos chances. Je pense vraiment qu'on avait de quoi aller au bout cette année. L'expérience, on l'avait. C'est vrai que les blessures ont pas mal joué. On a dû s'adapter et produire un basket. C'est pas forcément celui qu'on avait fait tout au long de la saison. Après voilà, l'ASVEL a aussi bien joué, ils ont réussi à nous faire déjouer quoi. Je pense que c'est ce qu'il fallait pour nous battre et voilà, ils ont fait quoi. Individuellement, c'est une saison vraiment très réussie. En signant à Monaco, moi j'aurais été amplement satisfait si je jouais 10-15 minutes. Voilà, j'aurais été très content, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai été dans le 5 majeur, j'ai été All-Star, j'ai gagné un premier titre, j'ai été appelé en équipe de France. Que demander de plus quoi. Ne serait-ce qu'avec un seul de ces choses-là, ben, ça aurait été une saison déjà satisfaisante. Quoi. Là, il y en a tellement qu'au final, on ne sait même pas comment savourer toutes ces bonnes nouvelles, quoi, toutes ces bonnes choses. Après, c'est aussi beaucoup de travail et ça n'arrive pas par hasard. Quand on commence le basket sur le tard, on a un retard vis-à-vis des autres. On essaie de le rattraper et voilà, faut fournir beaucoup plus d'efforts que les autres. Ouais, j'adore ça. Dunker, c'est mon mouvement préféré au basket. Quoi. Déjà jeune, je me souviens, quand j'arrivais pas encore à dunker, c'était vraiment mon rêve d'arriver à le faire. Quoi. Et c'est pour ça, dès que j'ai l'occasion, j'hésite pas.
c'est une superbe arme pour déstabiliser aussi l'adversaire. Vraiment un très très grand honneur. Je ne m'attendais pas à, voilà, être appelé aussi vite. Ça a été une surprise pour moi et vraiment très agréable. Et voilà, malheureusement, la blessure a fait que j'ai pas pu participer aux présélections et être sélectionné pour les TQO. Mais bon, j'espère que c'est que partie remise. J'ai passé 2 jours avec le groupe et ça a été 2 jours vraiment formidables, quoi. Moi, j'étais un peu comme un enfant avec eux, parce que voilà, on rencontrait ces joueurs, parler avec eux, enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas donné à tout le monde. Moi, sincèrement, j'appréhendais un peu au début, mais ils étaient tous super cool. Vraiment, ils sont tous venus vers moi, enfin, je n'ai même pas eu à aller vers eux, quoi. Ils sont venus naturellement vers moi, à me demander comment j'allais, à me féliciter pour la saison, et enfin, ça m'a vraiment beaucoup touché. Apprécié. Et en plus de ça, j'ai assisté au match France-Serbie. C'était vraiment un super match. J'ai eu l'occasion de les voir jouer et je sens que rien qu'en les ayant vu jouer, que voilà, ça m'aide à progresser, parce que je vois déjà ce qui me reste à accomplir pour atteindre vraiment le très haut niveau. C'est des joueurs qui ont un QI basket qui est la normale. Comme on dit, c'était notre sixième homme à nous. Dans les bons comme dans les mauvais moments, ils ont toujours été derrière nous. Et c'est ce qui nous a poussé et nous a aidé à faire une aussi bonne saison cette année. Et vraiment, je tiens vraiment à remercier le public pour ça. Je pense qu'on a tous été agréablement surpris de voir que l'engouement que le basket a pris et que les gens aimaient vraiment ce qu'on a produit cette saison, ça fait vraiment plaisir et c'est une grande fierté pour nous. J'ai remercié tous les fans pour cette saison. Vraiment passé, ça a été vraiment une saison exceptionnelle et leur soutien fait vraiment plaisir. Et j'espère les retrouver la saison prochaine pour de plus belles aventures encore. Hey.